Bon matin! Hey, il fait encore sombre ici aujourd'hui. La température a baissé de beaucoup, mais c'est encore très, très humide. Alors, je garde les fenêtres fermées. Par contre, je pourrais lever les rideaux. Ça, je pourrais très bien le faire. Par contre, avant de le faire, il y a un truc que je veux régler. Je ne sais pas si tu te souviens, dans la vidéo d'hier, je te montrais la fameuse strip de LED que j'ai installée ici, en dessous du sofa. J'aime bien l'effet que ça donne. J'aime pas par contre que ça démontre toute la saleté sur mon plancher. Oui, c'est parce que je suis dû pour passer le balai, mais je veux pas qu'à chaque fois que je viens de m'asseoir, je vois chaque grain de poussière qu'il y a par terre. Mais j'adore l'effet que ça donne sur la brique là. Là, je suis en train de me demander si ça serait pas beau que je continue par là. Je vais l'essayer, voir si ça allume pas tout. La brique, ça serait beau. Par contre, là, ça me prendrait un diffuseur. Donc, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Pour commencer. Et ensuite, mon but, là, aujourd'hui, demain, c'est de terminer de monter le bureau. Il fait noir. Il faut vraiment que je lève l'étoile. Mais ça va vraiment être de terminer de monter le bureau et de dégager tout cet espace-là, là, de tout ce qui reste. Pour enfin avoir un espace... de vie et non de déménagement. Ça y est presque. Ah non, c'est vrai, faut que je fasse ça avant de lever l'étoile. J'aime ça que la brique soit éclairée comme ça, mais non, c'est vraiment laid. Même avec un diffuseur. J'ai de la misère à l'imaginer beau. C'est beau là, parce que ça fait un éclairage qui ressort de derrière, puis tu n'en vois pas la source. Comme là, tu vois, ça fait un éclairage sur la brique, mais tu la vois pas. Là, on a un éclairage sur le mur, mais tu la vois pas. Là, c'est beau, partout, sauf là, parce que tu la vois, puis il va falloir que je fasse quelque chose pour le cacher. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire de cette strip de LED là? Bon, vraiment pas convaincu, mais on va voir ce que ça va donner de soir. Pour l'instant, je l'ai rentré dans ma moulure, parce qu'il y a un espace. Là, comme ça. Et derrière le divan, je l'ai ressorti. Ça me donne toujours mon bel effet. Puis j'ai même fait une petite courbe vers la fin, puis ça éclaire même vers le mur là-bas. Ça fait comme par ici. Espèce de petit éclairage derrière le haut-parleur. Ça, c'est le fun. Celle-là, je vais peut-être juste la déconnecter. Tout simplement. Peut-être. On verra. Parce que celle-là est vraiment cool. Bon, j'ai faim. Et là, je vais monter toute l'étoile. Une à une. Je voulais surtout pas avoir l'air de quelqu'un qui se plaint d'avoir des grandes fenêtres. Ah, c'est chiant. Raté ma recette. Je voulais me faire un riz aux légumes avec un peu de jambon. Et finalement, je me suis fait un légume au riz avec un peu de jambon. Et ça en a fait beaucoup plus que je pensais. Je vais en avoir pour quelques jours. Mais... Excellent. Donc, on a du riz brun, avec du jambon, des petits bouts de maïs que j'ai coupés en tranches, avec des petits pois,
Les oignons et les carottes que j'ai achetées au marché public. Des épices. Grec. Et épices à steak de Montréal. Et ah ben c'était le riz, c'est du riz. Et tous les légumes ont été frits. Cuit sur la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. On peut pas dire frit, non. Ils ont été cuits. Et on va rajouter un petit peu des sauces soya Kikkoman dans l'assiette. Et ça va être mal. Mais je vais avoir des restants pour la semaine. Je viens de recevoir ma poivrière. La soyère va rentrer, j'imagine, un autre jour. Et je ferai pas de vidéo déballage parce que de toute façon, je pense qu'elle est sur le bord d'être discontinuée. Et elle est difficile à trouver. Mais voilà. Vraiment, à une main. Hein. Que le poivre est même inclus. Ah non, c'est ma salière. Celle doit être inclue. Et la poivrière va rentrer bientôt. J'espère. Bon, c'est parti. Remontage de bureau, ménage de boîte et dégagage de cette zone. Et j'ai perdu mon clavier, ma souris. Le clavier, la souris, mon ordinateur. J'ai aucune idée où est-ce qu'ils sont. Le clavier est peut-être dans la boîte. La souris, aucune idée. Je l'ai perdu. Je sais que c'est ici. Je sais que je l'ai vu il y a quelques jours. Incapable de retrouver mon clavier et ma souris. C'est une de mes missions du jour. Je suis allé faire un tour de vélo. Soir, il mouillait fort. Il mouillait fort pour aller faire un tour dans mouette. C'était le fun. C'était vraiment le fun. Ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que j'ai fait sécher mes trucs en revenant. C'est merveilleux, ça. Ça, c'est un. C'est fait par Little Hotties. Tu mets tes trucs à sécher là-dessus. C'est des conduits d'air chaud, chauffés. Et tu peux juste mettre tes suies là-dessus. Moi, je m'empêche pas de sortir quand il pleut. Donc, c'est ça. Quand je rentre, je mets mes souliers là-dessus. Le linge, bah, tu peux juste l'étendre, ça sèche. Mais c'est ça. Ça prend ça. Sinon, des souliers, c'est chiant à faire sécher. Petite remarque. Les lumières de You sont beaucoup plus fortes que celles que j'avais avant. Avant, j'ai regardé, je pense que c'était des 450 lumens. Eux, c'est des 800 lumens, donc quand même. Je pense que sur ma scène automatique, je vais les mettre moins fort que ça. Et l'autre chose que je remarque ce soir, c'est que les lumières de You, tu sais, je disais l'autre jour, je sais que je les recommandais pas parce qu'ils sont vraiment chers et l'application bof. La nouvelle application avec le nouveau hub, c'est quand même très bien.
Beaucoup mieux que l'application de Goovy. Mais Goovy, je le contrôle avec Google Home. Mais regarde-moi la puissance d'éclairage de Philips Hue versus Goovy. Et regarde-moi la beauté du blanc versus celui de Goovy. Si tu rentres pas de Philips Hue chez vous, le Goovy, tu vas en être satisfait. Mais quand tu vois ce que donne Philips Hue à côté, c'était une autre histoire. Là, je pense que j'aime ça, la petite bande. On va laisser ça drette comme ça. C'est sympathique. J'aurais aimé mieux que ça éclaire plus. Je vais peut-être me trouver une solution pour que ça éclaire plus, plus haut. Et je vais te faire tamiser celui-là automatiquement parce que ça fait comme juste trop clair dans le fond. Ouais. Mais j'aime toujours le résultat de ma salle de bain. Ah oui. Ah oui. J'adore. J'adore. Bon, je vais aller me laver parce que là, je suis vraiment plein de sable. Et je te reparle pour ce qui a avancé aujourd'hui et les plans de demain. Ah, je me sens tout neuf. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah tiens, je vais allumer la lumière pour te montrer comment ça marche. Et je te rappelle que quand tu vois ces fameuses lignes-là, c'est parce que j'ai oublié que ma caméra était en mode HDR, alors je vais l'enlever tout de suite de ce mode-là. Voilà. Donc, c'est quand même possible que tu vois un petit peu de lignes quand que je passe d'un mode d'éclairage à l'autre. Peu importe. Ici, quand même, déjà beaucoup moins de choses. Ça, ce sera pas compliqué, ça va se ranger dans un des garde-robes. La fameuse chaise œuf. Je pense que je vais la mettre dans le coin là-bas en attendant. Je sais pas encore si je vais la garder. Après, il me reste qu'une fameuse boîte de fil qui va se ranger dans une grosse boîte, tout simplement, avec des couvertes. Ça, c'est juste des couvertes. Des couvertes. Des couvertes. Mon sac d'ordi qui va être rangé quelque part. Le trépied qui va rester toujours en mode prêt à filmer comme ça. Il va probablement se promener un peu. C'est dans une boîte comme ça que ça va s'en aller. Les fameuses couvertes, mais elles sont grosses les couvertes. Peut-être en vendre quelques-unes. J'ai pas besoin d'autant de couvertes. Je les avais commandées pour me faire ma fameuse cabane dans le garage chez mes parents. Et ici, oh, est-ce que ça avance bien? On va allumer un petit peu de lumière pour que tu puisses bien voir. Donc, ouf, ça c'est juste un paquet de fils USB à ranger. Regarde-moi l'espèce de vieille patente que j'ai retrouvée. La caméra GoPro Hero 3 Plus. Ma deuxième GoPro. Et c'est avec elle que j'ai fait le Japon. Le Japon en vélo, c'était avec cette caméra-là. Elle qui t'a fourni un paquet d'images. Ah, regarde-moi ça. Je me suis réinstallé ici tantôt. Hey, ça fait maintenant un mois. Un mois que je suis arrivé jour pour jour aujourd'hui. Et ça faisait un mois que je ne m'étais pas servi d'un ordinateur de bureau. Et je dois dire que de retrouver le clavier et la souris. Oui, parce que je les ai retrouvés. La souris était dans le coffre juste là. Elle était dans ma face. J'ai regardé dans ce coffre-là à peu près 15 fois, puis je ne l'ai jamais vue. Et le clavier, j'avais oublié que je l'avais rangé dans la boîte de l'ordinateur. Il y a un espace pour ranger le clavier. Parce que le clavier vient avec l'ordinateur, j'avais oublié que je l'avais mis là. Mais ça faisait bizarre d'utiliser le clavier et la souris, surtout la souris. J'ai comme perdu l'habitude, mais c'est une habitude qui revient très rapidement. Très rapidement. Mais non, je suis content. Je pense qu'à partir de demain matin, je vais recommencer à faire les montages. En fait, la vidéo que tu regardes en ce moment, je l'ai probablement montée avec cet ordinateur-là. Plutôt que mon laptop. Je l'aime, mon laptop. Je l'aime, mais c'est pas un ordinateur de bureau. Ça va tellement, mais tellement mieux. Donc, demain, c'est ça, je vais faire le mélange de tout ça.
Il me reste quelques petits trucs à trier dans ces boîtes-là. Il y a mon microphone qui va être à ressortir que je vais aller fixer là. Tu tiens le microphone avec le fameux système de pied que je peux tirer où est-ce que je veux. Je vais pouvoir le réinstaller à cet endroit-là. Malheureusement, ce que je voulais faire avec la barre de son, ça fonctionne pas. Je voulais brancher mon ordinateur dessus. Peut-être qu'il faudrait que je me penche là-dessus un peu plus longtemps. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. De toute façon, je travaille tout le temps avec mes écouteurs. Et d'autres. Donc, pas la fin du monde. Pour ceux qui se questionnent sur l'espace, c'est largement assez grand. Vraiment. Et il faut se dire aussi que ça va être repoussé. Un petit peu plus en arrière. Donc, je vais avoir encore plus de place, mais tu vois, quand je travaille, je suis évaché ici. Et tu vois, il reste encore un peu d'espace en arrière. J'avais pas besoin de plus grand que ça. La chambre est énorme. C'était beaucoup trop grand pour juste mettre un lit. Alors que ça puisse servir de lit et de chambre et de bureau en même temps. C'est parfait. C'est parfait. C'est deux activités. Faire du bureau et dormir qui ne nécessite pas beaucoup de mouvement. Et tu vois, il me reste encore même une espèce de grand espace là-bas. Elle est trop grande, la chambre. Mais là, comme ça, c'est parfait. Là. Ça fait pas tasser, ça fait... C'est parfait. C'est parfait. Bon, je vais aller relaxer. Je vais me faire... Je vais aller souper léger. Écouter un petit peu Netflix. Et... Hey, ça c'est le fun, hein? Pendant que je travaille, quand je vais partir un render, puis que je vais pouvoir me reposer un petit peu, je vais pouvoir venir ici et m'étendre. C'est parfait avoir le bureau dans la chambre. Parfait. Parfait. C'est ça. Fais attention à toi et on se revoit demain. Salut.